Alors, je vous le disais, la règle des 9 points gagnants a retrouvé ses origines. Donc, vous allez jouer successivement à des questions qui vont valoir 1 point, puis 2 points, puis 3 points. Donc, plein de rebondissements possibles. Hein, parce que quelqu'un qui démarre un peu doucement, s'il marque bien sûr des questions à 3 points, il peut se rattraper très très vite. Est-ce que vous êtes prêts ? Prêt. Oui. On va ouvrir les buzzers. Et bien sûr, pour commencer, question à 1 point. Quel poisson ? Poisson à la chair rose-orangée, voisin de la... Romain ? Le saumon ? Oh oui, bravo, le saumon. Voisin de la truite, descend les fleuves de l'ouest du Groenland et du nord de la Norvège pour aller se nourrir en mer, le saumon. Romain qui commence très fort. Question à 2 points. Quelle plante herbacée aux feuilles urticantes se développe ? Delphine ? L'ortie. L'ortie, c'est la bonne réponse. Se développe facilement dans les friches et dans les fossés. Et 2 points du coup pour Delphine. Question à 3 points maintenant. Quel groupe de hard rock, fondé en 1973, auteur de I Was Made for Loving You, est célèbre pour Romain ? Kiss. Kiss, oui. Bien joué. Célèbre pour l'extravagance de ses maquillages, les grimaces de son bassiste également, Gene Simmons. Kiss. Et du coup, 3 points pour Romain. Quel terme issu du latin signifiant représentant de l'autorité désigne les membres de l'Assemblée nationale ? Delphine. Les sénateurs ? Non. Jean-Luc. Les députés. Assemblée nationale, les députés, oui. 2016. Quel frère cinéaste américain ? Frère cinéaste américain, Romain. Les frères Cohen ? Les frères Cohen, oui. C'est ça. Ont donné à Georges Clooney le rôle d'un acteur de péplum qui est kidnappé dans le film Ave César. Vous l'avez peut-être vu. Attention, question à 3 points. Michel, c'est l'occasion pour remonter. 3 points. Quelle région de la Turquie est célèbre pour ses paysages ? Jean-Luc. La Cappadoce. Cappadoce, oui. Paysage formé de roches volcaniques et ses nombreuses églises rupestres, également très belle région, la Cappadoce, en Turquie. C'est 3 points pour Jean-Luc. En France, on revient en France. Alors, quelle est cette taxe sur les produits et services marchands ? Delphine ? La TVA ? Delphine, oui. Instaurée par la loi du 10 avril 1954, généralisée en 1966, cette TVA qui augmente nettement, vous savez, le prix des produits qu'on achète. J'ai un potage. Quel potage ? À base de, Jean-Luc ? Le minestrone. À base de betterave que l'on sert avec de la crème, Michel ? Le borsch. Oui ! 2 points, Michel. Avec de la crème aigre, aussi bien répandue en Pologne qu'en Ukraine ou en Russie. Lors des Jeux Olympiques de 1992, quel nageur français a obtenu la médaille de bronze, Jean-Luc ? Alain Bernard. La médaille de bronze du 100 mètres nage libre. Romain. Esposito. Non plus. Delphine, Michel. Rousseau. Michel, non plus. Delphine, un nageur n'importe lequel. Caron. Ah. Stéphane Caron. Et maintenant, regardez. Regardez en 1962. Pour embellir quel monument de Paris, André Malraux a-t-il demandé à Marc Chagall de peindre le plafond, Michel ? L'opéra. Précisez. L'opéra de Paris, Garnier. C'est oui. Le plafond que vous découvrez ici. Quel nom dérivé de l'ancien français signifiant chanvre désigne la grosse toile à tissage peu serré utilisée comme support dans la tapisserie ? La grosse toile. La crème. Non, grosse toile à tissage peu serré qu'on utilise, Delphine. Canevas. Canevas, c'est ça. Oui. Attention, question à 3 points. En 2009, quel écrivain publie le roman La délicatesse qu'il adaptera au... Fuenquinos. Oh oui. Il adaptera au cinéma avec Audrey Tautou. Première manche très serrée, bravo à tous les quatre. Informatique. En informatique, quels sont les deux chiffres qui constituent le système de Delphine ? 0, 1. 0 et 1, le système de numérotation à base binaire, oui. Dans la mythologie grecque, je sais que certains d'entre vous aiment l'histoire et la mythologie. Quel nom a-t-on donné aux membres de la lignée issue d'Atrée, dont la malédiction pèse jusqu'à Oreste et Électre ? Jean-Luc ? Les Atréides. Alors c'est bien parce que Jean-Luc n'est pas sûr de lui du tout et ça n'est pas la bonne réponse. Michel ? Les Atrides. Les Atrides, oui. Et Jean-Luc, vous m'avez dit,
Atride. Atride. En dermatologie, quel terme médical tiré du latin signifiant lumière désigne une allergie au soleil? Delphine. Non. Lucite. Oui. Et c'est gagné. Michel. Michel. Comment ça va, Michel? Beaucoup mieux. Hein, j'ai l'impression que ça va bien, là, maintenant. Romain, 6 points. Delphine, 6 points. Jean-Luc, toujours dans la course, 4 points. Question à 2 et 3 points, maintenant. Comment appelle-t-on un compte en banque commun ouvert au nom de Jean-Luc? Un compte joint. Un compte joint, oui, c'est ça. Ouvert au nom de plusieurs titulaires, créant entre eux une solidarité active. Compte joint, tout le monde est à 6 points. C'est une question maintenant à 3 points. Ça veut dire que celui qui répond est qualifié et rejoint Michel. Dans quelle série télévisée française, diffusée dès 1984, Daniel Evnoux interprétait-il une contractuelle qui accumulait les mésaventures? Daniel Evnoux, Jean-Luc. Marie Pervenche. Marie Pervenche. Et c'est gagné. Jean-Luc, c'est bon. Delphine, ça vous parlait pas du tout, ça? Vous voulez retirer les mains du buzzer, ça c'est pas pour vous. Non, je connais pas, désolée. Quelle opération administrative consiste à faire le dénombrement de la population d'un État? Romain était le plus rapide. Le recensement. Et c'est le recensement. C'est gagné. Bravo, Romain. Je pense que tout le monde l'a vu. Une histoire de rapidité. Ouais. Delphine l'avait. Delphine l'avait, le recensement. Tant pis. Ça s'est joué à un quart de seconde. Ça s'est joué aussi sur la série télévisée. Mais ce qu'on a tous vu aussi, c'est que vous aviez tous le niveau, là, et que ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. Merci à vous. Bon retour dans cette magnifique ville de Rennes. Merci. À très bientôt, j'espère. Et maintenant, je vous propose une nouvelle chance de gagner soit une voiture, soit 10 000 euros. C'est vous qui choisirez, mais d'abord, il faut répondre à cette question. Dans quel jeu de cartes faut-il réunir le maximum de personnes d'une même famille? Alors, réponse 1, la belote. Réponse 2, le jeu des 7 familles. Appelez le 3243, ça c'est pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Romain, Jean-Luc, Michel, félicitations parce que vous venez de vous qualifier pour les 4 à la suite. On y joue tous ensemble maintenant.